I woke up and smiled like a child this morning, and no one's as sweet as you. You taste like the blood of the sea, and I'm drowning and diving into you. Seas and my words, oh, I'm drifting. Oh, there's something stormy about you. And oh, give me more, or I might be falling for all we should not do. Shaking the wind, the dawn of the day, I don't know.
يا من ما يدومو، يا من لما
يمنا ما يدومو. Side, this voodoo made up.
ما تعرف بردا ما تعرف هاي دانا يا النار شلا
شهد بالزور تغوي بالنور فتانا ليلى 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 وبدورها صوت خادع عن دور وخادع العود شوف الليل جوم وحيرانة شهد بالزور تغوي بالنور فتانة ليلة 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 Shine.
الحب محيات اللي ملوى باني شفت الخضرات صفار والبردان حنا كل ودينا لي ما بغى لونو يحمر بس عاد الليل بيلاك ريغ فضاني كل ولا زنجار الزرقة اللي تحيا الشاق بكاتني شبان الحب دادنا
هدعتنا لو يلنت ما يموت الحبيات يا لما الطيار بحومة للديار إذا دعتنا لو يلنت ما يفارق حمنا الحياة يا لما الطيار
مع الحب يصفى لي لون ليام وليالي واللي يبسى بيت خطا حبي طوال بصار هو اللي يكسجن الظلام بالنيلي جينا هنا جينا بلندامو
شوف الليل جو محيرانا مشاهدة بالصوت ويب النور فتانا هناك الليلة ليلة وبدون صوت خلال نور وخلال عود شوف الليل جو محيرانا مشاهدة بالصوت ويب النور فتانا حليلك ليلة حليل دليلة شوف الليل Nous sommes aujourd'hui avec Jezia Satour. Bonjour Jezia. Bonjour. Votre deuxième album s'appelle Aswat. Déjà, que veut dire Aswat ? Aswat, ça veut dire des voix. Des voix de manière indéterminée. C'est un pluriel indéterminé. Donc c'est un ensemble de voix. Alors, c'est un album qui dégage de la douleur. Il parle d'exil, de migration, de pays envahis, dévastés. Il évoque l'absence. Qu'est-ce que vous avez suivi comme fil pour raconter ces chansons ? C'est ces voix-là, en fait, les voix de toutes ces personnes que vous voulez porter dans cet album ? Oui, en fait, c'est vraiment un album qui parle de ces voix que l'on entend aujourd'hui nous arriver un petit peu à travers le monde, d'une manière un petit peu, on va dire, sans pouvoir vraiment les distinguer. Mmh. Et c'est vrai que ce sont des voix qui, dans chaque chanson, racontent leur histoire, une histoire, disons, par chanson, et qui évoquent effectivement l'exil, la dépossession, il y a l'histoire par exemple du réfugié, il y a l'histoire de ceux qui voient leur terre. L'accaparement des terres. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc c'est par exemple l'histoire du peuple palestinien aussi qui est racontée dans cet album. Et en fait, ce qui m'a poussée à chanter en quelque sorte ces thèmes-là, en tout cas ces textes-là, qui sont des textes d'ailleurs que je n'ai pas écrits, mais je travaille avec un parolier qui, disons, est très proche de ma sensibilité, c'est tout simplement l'envie de tendre un petit peu l'oreille vers ces voix qu'il est difficile aujourd'hui de ne pas entendre. Quel sentiment vous guidez pendant l'écriture de cet album ? Alors, sur l'aspect vraiment des textes, je me disais que c'était vraiment très difficile aujourd'hui de faire un album qui ne soit pas en quelque sorte connecté avec quand même notre environnement, c'est-à-dire que c'est difficile de traiter uniquement de thématiques légères, en quelque sorte. On connaît aujourd'hui la situation des réfugiés, de ce qu'on appelle les migrants aujourd'hui qui arrivent en Europe, notamment. Et donc ça fait partie aussi ça fait partie de cette envie de parler en fait de ces questions qui sont tout simplement présentes et qu'il est très difficile de ne pas voir. Mais bon, il n'y a pas que ça dans cet album. Ce n'est pas un album du tout qui se veut pessimiste ou triste. Au contraire, c'est simplement un album qui exprime une sensibilité. Qui dit les choses. Voilà, c'est ça. Et c'est un album qui se veut ouvert parce que vous chantez en arabe, mais les textes sont traduits en français. Oui, les textes sont traduits en français volontairement dans le disque. C'est un geste fort quand même. Ah, on tient à être compris. Mmh. De tous. Oui, ils sont tous traduits et ça a toujours été le cas. Moi, j'ai toujours voulu qu'on me comprenne. Mais c'est vrai que la volonté de chanter en arabe, ça a été, je pense, pour moi, une manière d'exprimer peut-être d'une manière plus profonde mes sentiments et peut-être aussi tout simplement l'émotion de ces chansons. Donc j'avais vraiment envie que ce disque soit chanté en arabe. Ouais. Et d'ailleurs, le fait que ce soit traduit en français, c'est aussi votre double culture. Vous êtes française, née en Algérie, vous êtes à cheval justement entre ces deux mondes. Je dirais plutôt que je suis algérienne vivant en France. Ouais. C'est comme ça que vous le vivez ? Oui, et que vous le ressentez ? Oui, c'est comme ça que je le ressens, parce que d'abord, je me considère comme algérienne. Mmh. Je suis effectivement née en Algérie, et puis je le suis objectivement. C'est-à-dire que c'est en Algérie que j'ai vécu mon enfance, et c'est là que j'ai eu donc un attachement qui est fort. Forcément, puisqu'on dit que l'enfance, c'est ce qui détermine tout le reste, alors a fortiori. Je suis venue effectivement en France, c'est ici que j'y ai construit ma vie, mes projets, mes relations. Donc j'ai un lien très fort aussi avec ce pays, mais ce n'est pas le même lien. Voilà, c'est un lien différent. J'ai un lien vraiment beaucoup plus profond, évidemment, avec mon pays. Est-ce que vous donneriez comme mot pour définir le lien avec l'Algérie et le lien avec la France ? Il ne pourrait pas y avoir qu'un seul mot, je pense, mais disons que je crois qu'on a toujours un lien avec sa langue maternelle et son pays natal. Mmh. Tout simplement, il y a quelque chose qui est indéfectible. Mmh.
Et voilà, et puis après, on peut effectivement vivre ailleurs, construire des choses très importantes, avoir un lien, notamment celui que j'ai avec la France, bien évidemment, aujourd'hui. Mais j'ai un lien beaucoup plus lié, on va dire, à la société française en France. Voilà, mais ce sont deux choses qui m'ont apporté énormément. Ça fait partie de mon parcours. إدخت فات عنك الوديان غابت المراي والقطان اللي كان ضال الأيام إذا حجبت الجدران إدخت فات الوديان غابت المراي والقطان اللي كان نار الليل إذا حجبت الجدران تحن إلى أرضك وانت قريب وصير في بلادك غريب صير غريب في بلادك غريب تحن إلى أرضك وانت قريب وصير في بلادك غريب في أرضك وبلادك في الأرض والبلاد غريب ودينت فيها لقات بالحب وبالكرمات
Jesia Satour est notre invitée aujourd'hui dans Acoustique avec cet album Aswat. C'est un album, quand on l'écoute, de prime abord très pop. Et puis, on entend quand même petit à petit arriver ce côté oriental, ce côté arabe. Quels sont les ingrédients, je pense, assez subtils, la recette de ce que vous avez fait sur cet album musicalement? Le mot subtil me plaît parce que c'est toujours une recherche d'équilibre dans la création.
C'est vrai que sur ce disque-là, il y a toujours mes influences anglo-saxonnes qui viennent de la pop et de la folk que j'ai écouté quand même assez longtemps et que j'ai toujours travaillé, je pense. Mais c'est vrai qu'il y a une présence importante sur ce disque-là, en particulier des instruments traditionnels algériens, et en particulier algérois, qui sont présents presque naturellement. C'est-à-dire que ça s'est fait finalement de manière assez naturelle. J'ai toujours été influencée par les musiques arabes, dans le mélange musical que je propose, que j'essaye de faire en tout cas. Mais sur ce disque-là, ce qui est particulier, c'est que les instruments sont là d'une manière directe, c'est-à-dire qu'ils sont présents d'une manière brute, leur son est utilisé non pas par l'intermédiaire du sampling, justement, mais vraiment directement en acoustique. Donc il y a eu vraiment un travail sur ces instruments qui sont pour moi assez magiques et très... qui me rappellent vraiment de lointains souvenirs. En tout cas, j'ai le sentiment d'être familière, qui me sont familiers depuis très longtemps. C'est quoi, banjo, bendir, mandol? C'est banjo, bendir, mandol. C'est la colonne vertébrale des chansons d'Herboka? D'Herboka, oui, également. Alors, c'est vrai qu'il y a un mélange aussi avec les instruments, guitare électrique, guitare, batterie, percussions diverses, mais c'est un petit peu le fil rouge, effectivement, de ce disque, et c'est ce qui me tenait à cœur particulièrement. C'était vraiment de leur donner une place et même un peu un hommage, en quelque sorte. Alors, on voit le banjo, par exemple, qui est là, le banjo vraiment algérois de la musique traditionnelle Chaabi. Est-ce qu'il y a des ponts évidents, comme ça, entre les musiques occidentales, blues, folk, pop, et ces musiques traditionnelles, ces rythmes, ces mélopées, ces modes? Il y a des choses qui sont assez intéressantes. C'est que moi, j'ai longtemps travaillé dans un projet qui utilisait l'électro, qui utilisait le sampling, c'est-à-dire qui utilisait beaucoup la répétition. Et c'est des musiques que j'aime beaucoup, les musiques trip-hop, hip-hop, tout ce qui est très rythmique, en fait, et aussi répétitif. Et on retrouve vraiment dans ces grooves, et finalement, ces musiques qui sont l'art un peu de la répétition, on retrouve ça, évidemment, dans les musiques traditionnelles, dans beaucoup de musiques traditionnelles. Et c'est un petit peu ce qui m'a intéressé aussi. Ce qui m'intéresse, c'est travailler sur la mélodie, l'aspect vraiment mélodique, à la fois du chant et des instruments mélodiques ou modaux, comme cela, mais aussi sur la rythmique. Et ce qui est intéressant, c'est de travailler justement sur ce côté très bouclé de la musique traditionnelle. Donc il y a eu des ponts qui se sont faits naturellement dans ce disque au niveau de la création. Et voilà, faire ressortir la simplicité, l'évidence, en fait. C'est plus que de la simplicité, il y a une évidence dans les musiques traditionnelles, quelque chose qui vous tombe dans l'oreille et qui ne vous lâche plus. Et j'avais vraiment envie d'essayer de retrouver ça dans ce disque. Donc j'ai beaucoup travaillé sur des gimmicks, des thèmes. Et c'est comme ça que j'ai donné la parole aux instruments. Et avec cette idée qu'on retrouve dans toutes les musiques que vous avez citées, de trance pratiquement, ça renvoie à quelque chose d'assez, donc de lâcher prise et de spirituel. On pourrait, on pourrait imaginer ça. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la trance. Après, c'est vrai que moi, je reste sur ma particularité, c'est que je suis toujours sur des chansons. C'est-à-dire que le format chanson. Exactement, c'est toujours un format chanson. Mais voilà, avec cette incursion de ces instruments, un petit peu à ma manière, c'est-à-dire que c'est ni du traditionnel, ni complètement de la chanson. Et c'est là que l'enjeu, je veux dire, c'est là que la création est vraiment intéressante. Donc pour moi, ça a été aussi beaucoup de plaisir de trouver cet équilibre, puisque je reviens à ce mot, cet équilibre un peu subtil. Jazia Satour, donc, avec cet album Aswat.
كان بل الآن مجان في وسط الحطام حبنا باقي قوام والله راح كي راح البلاد مات كي ماتوا العباد وكنا طول الحياة نضيم في الحب يحيى بعدنا في الريح يمس صواتنا اللي تملى الحي الخالي تناجي في لالاتي إلى مس الورد في النحت يطيبنا طالعا طالعا في الصباح الحب يبقى حافل الرماح إذا دادنا الويلات ما يموت الحب
إذا دادنا الويل